Bonjour à toutes et à tous pour ce petit plan with me vite fait. Alors ça déjà, c'est des stickers de chez Action. J'avais utilisé le reste de la planche et j'avais viré le fond. Donc en fait, ils collent plus très bien. Je vais les profiter de cette semaine pour les utiliser. Hop, j'ai déjà enlevé ça. Ça, c'était ma semaine précédente, donc c'est encore une fois bien complété au fur et à mesure avec pas mal de choses à faire et tout ça. Grosso modo, j'ai quasiment tout fait sauf des trucs que je vais terminer de faire aujourd'hui, dont une sauvegarde disque dur externe que je confie à ma mère en fait. Alors ça, je vous conseille en termes de sécurité informatique. Moi, tout est stocké sur un cloud, sur un serveur externe, mais j'ai également je transfère deux fois par an manuellement sur un disque dur externe que je conserve ici, et une fois tous les 36 du mois. Donc là, ma dernière sauvegarde datait de 2018, mais il faudrait que je le fasse plus souvent. Je confie à ma mère un disque dur externe avec mes données, ce qui va permettre de retrouver les documents importants, entre autres les diplômes, les choses comme ça, mais je sauvegarde tout, donc il y a mes photos et tout ça. Si jamais genre il y a un incendie chez vous, c'est quand même bien d'avoir pas que sur le PC et les disques durs qui sont stockés au final au même endroit géographique. Donc voilà, tout ça c'est fait, il me reste 2-3 trucs à faire, mais pour la semaine c'est pas mal. Je reprends la semaine, j'ai déjà mis mes tâches, il y a un rendez-vous qui a été reporté, donc je vais en profiter pour mettre un sticker, c'est un petit quelque chose qui va me planquer ce truc moche. Voilà, par exemple, ça. Et comme je suis dans les couleurs un petit peu rose, tendre, mignon comme ça, et ben on va continuer un peu ce truc-là. Ah, ah, ah. Voilà, dans des couleurs. Je vais essayer de reprendre un petit peu, juste d'activité physique. Alors, je peux ne pas mettre les trucs complètement dans la page. Hop, je vais vous montrer un petit coup des ciseaux. Et c'est tout propre. Et on a l'impression que le motif, il sort de la page. Ça amène un petit peu d'ampleur à la page de sortir des lignes. Donc, je trouve ça assez sympa. Je vais mettre ça non, je le mettrai après ça. Je vais mettre un petit peu de ça. Alors, là, ce que je veux noter, c'est que j'ai un médecin qui n'est pas à côté. Enfin, pas à côté selon mes définitions. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans ma rue. Hein. Il n'est pas dans ma rue, je n'y vais pas à pied. Voilà. Au-dessus de 200 mètres, c'est fini. Voilà. Donc il n'est pas à côté, il n'est pas à 200 mètres. Ou moins. Hop. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de ça là. J'ai différentes tailles de ce modèle là. Je vais mettre par exemple ici. Parce que du coup, on y va en voiture, mon mari prend sa matinée. Et le reste de la matinée, on pourra faire d'autres choses. Voilà. Hop. Je suis désolée, j'ai chuté en... Je vous ai parlé du transfert. Bah voilà, ça n'arrête pas de bugger. Donc, d'où les bruits que vous entendez. Toudoudoum. On a encore planté. Toudoudoum. Oh, on a bien planté. Toudoudoum. Le truc a planté. Merci, vous m'en mettez un. Hein. Bon. Grumpf. On l'a retrouvé, mais c'est foutu en l'air tout ton transfert, c'est ballot. Merci. Hop. Donc là, j'ai toujours mon clavier que je peux ressortir et j'utilise généralement ça quand il est coincé. Je le repousse. J'essaye de dégager les fenêtres pour revoir l'écran au niveau du retour. Alors là, c'est la taille classique, ça, des masking tape. C'est du 15 mm de large. Ça, c'est les fins. Et en fait, ils sont très pratiques pour certaines choses, les fins. Celui-là, il fait 6 mm. Je suis désolée, je suis assez embêtée par mon... Les 6 mm vont être très pratiques pour la planification.
Par exemple, pour indiquer une zone comme ça sur le côté, en laissant la place pour écrire, on peut écrire sur le masking tape, mais ça peut baver. Et je sais que moi, ça m'a souvent embêté parce que non seulement ça bave et j'aime pas ça, c'est moche, selon mes goûts, mais en plus, l'écriture peut s'effacer, ça dépend du revêtement du masking tape. Il y en a qui sont un peu comme s'ils étaient légèrement plastifiés, un peu satinés et tout ça. Tous les métalliques et pailletés, on oublie, on peut pas écrire. Et il y en a qui fonctionnent mieux, mais ça dépend de l'encre qu'on va utiliser, du stylo. J'ai pensé à ça aussi, mais finalement, j'ai pas envie. Ça me convient bien, grosso modo, comme ça. Du coup, je peux mettre un petit sticker. Alors, Workout, c'est un... Workout, pardon, je suis désolée. Workout. Non, j'ai pas dit ça. C'est entraînement en anglais. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je veux reprendre plus sérieusement l'appât. Donc c'est mouvement, marche, APA, etc. APA, c'est activité physique adaptée. Donc on adapte au handicap, on adapte à ce qu'on peut faire et on fait très attention à avoir une bonne adaptation. Mais voilà, c'est de l'activité physique tout simplement. Là, j'ai récupéré deux tampons chez Action, dont un qui a été immédiatement mâché par un des chats. Voilà. Je désapprouve très vivement cette attitude désinvolte vis-à-vis de mes affaires, mais j'ai réussi à la recoller. En fait, c'est pas compliqué. Si jamais vous avez un accident sur un tampon bois, généralement vous pouvez décoller et recoller. Alors comme colle, j'ai utilisé tout simplement de la taquiglou. Hop. Là, ce que j'utilise, c'est de la Versafine. Normalement, on vient poser le tampon sur l'encreur. Et puis on fait pas ça sur un papier qui bouge. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Et c'est comme ça. Hop, on met une petite fleur, un peu de ça. Alors, est-ce que j'en veux d'autres? Non, pour l'instant ça me suffit. Je verrai après si je veux décorer plus, mais ça me convient comme ça. Donc toujours, moi j'adore la Versafine, les couleurs sont intenses, le tracé est hyper net. Il y a différentes couleurs, mais si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, prenez du noir, c'est très bien. Vous pouvez utiliser des modèles également avec des creux pour colorier avec ce que vous avez, crayon de couleur, feutre, autre, peinture, aquarelle, je sais pas, comme vous le sentez. Là ici par exemple, les feuilles, je peux très bien prendre un surligneur, mais je vais pas le faire parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre comme couleur. Un surligneur et venir mettre un petit peu de vert. On peut utiliser des stylos, je suis en train de chercher le sens. On peut utiliser des petits stylos, on peut utiliser des crayons de couleur, des feutres aquarelles ou je sais pas quoi. Mettre des petits stickers. Voilà. Là je regarde aussi là-dedans si j'ai un petit quelque chose qui me plairait bien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les Passion Planner sont très très bien, mais je reprendrai pas à cause des prix de port depuis les États-Unis, ça coûte une blinde. Hop. Tiens, on va mettre ça aussi. Alors si jamais vous avez vraiment du mal à viser, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile avec une pince. Et je répète, quand j'ai vu les scrapeuses faire ça, je me suis dit... Et quand j'ai essayé, j'ai fait, ah ouais, en fait, on voit ce qu'on fait au lieu d'avoir ses doigts devant, ses gros doigts devant, en ce qui me concerne. Et puis, je vais remettre un petit ici, Grateful For, parce que là, c'est mes bons moments de la semaine. Où je vais me mettre là? Voilà, donc j'utilise toujours mon agenda, celui que j'ai conçu, et qui est en vente de téléchargement dans la boutique. Et voilà. Alors là, je vais être super fière de moi, je vais mettre un magnifique petit trophée. J'aime beaucoup ces stickers, un peu médailles, trophées, etc. Il y en a qui sont, donc ça c'est toujours Passion Planner, je vous montre parce qu'il y a sûrement des créatrices françaises qui le feront en français, qui proposeront leur version, leurs illustrations en français, des médailles, des trophées et des... Vous savez les rubans de couleur avec des médailles qui s'accrochent au mur. Je sais pas s'il y a un nom spécifique pour ça. Genre le ruban bleu du machin.
avec des petits mots genre j'ai fait la lessive aujourd'hui parce que c'est aussi du self-care, ça peut se destiner à des personnes qui sont en dépression et pour qui par exemple I take a shower today, j'ai pris une douche aujourd'hui, c'est déjà un temps d'exploit, etc. Et en fait là, samedi prochain, je vais fêter mes un mois sans somnifère du tout. Donc je suis en arrêt, je suis en train de décrocher, je suis très fière de moi. C'est pas toujours évident parce que je continue à me réveiller très souvent la nuit avec des douleurs, ça me saoule. Mais en même temps, je vois que je suis un peu plus en forme, un peu plus lucide dans la journée depuis que j'en prends pas et ça confirme que j'avais vraiment besoin de m'arrêter. Même si c'est galère de se faire réveiller plusieurs fois par nuit par les douleurs. Je continue le travail respiratoire, la méditation et tout ça. Ça fonctionne très bien. Je vois que je récupère en capacité pulmonaire, que j'avais beaucoup perdu avec le burn-out. Et j'avais surtout énormément perdu avec le Covid. Et la grippe du mois là qui vient de s'écouler n'a pas aidé. Donc ça, c'est hyper important. C'est mon principal objectif. Ça va être celui-là. Je me dis, tiens, même, il est tellement important cet objectif qu'il mérite un coup de surligneur. Alors, pour que ce soit plus joli, ce que je vous conseille, c'est quand vous savez que vous allez mettre un truc important comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le surligneur avant d'écrire. Ça évite que ça bave. Donc voilà. Et puis bah là, effectivement, c'est un peu mes bases en ce qui concerne l'hygiène mentale, je retourne aux bases. C'est faire des trucs créatifs, ça c'est un peu spécifique à moi, mais voilà. Mouvement, l'activité physique, c'est hyper important pour la santé mentale et physique. La respiration, la méditation, la relaxation, ça agit pas forcément sur les mêmes choses. La méditation n'est pas du tout conseillée à tout le monde dans toutes les circonstances, ça peut au contraire poser problème au niveau angoisse. Mais chez moi ça marche bien, sinon dans ce cas-là il y a des exercices respiratoires qui vont aider au niveau physiologique pur. La relaxation c'est pareil, il y a des gens qui détestent ça, c'est ok. Et puis bon, bah, le dernier c'est pas de somnifère, voilà, c'est prenez les médocs qu'il vous faut, mais il y en a certains, il faut éviter de prendre dans la durée parce que c'est pas bon. Et puis voilà, mais être créatif, vous donner des moments de création, bouger, respirer, aller dehors, déjà avec ça, vous... Et puis il y a les relations sociales aussi, déjà rien qu'avec tout ça, ce qui est déjà pas mal, vous augmentez vos chances de vous sortir d'un pépin de santé physique et ou mentale. Voilà, voir des gens, sympa si possible, parler à des gens, le soutien social, faire des créations, marcher, courir, respirer, faire du sport, de l'activité physique et respirer, méditer, faire de la relaxation ou autre. J'espère que vous allez passer une très belle semaine avec ces bonnes choses et puis l'exercice de gratitude tous les jours ou à minimum une fois par semaine. Et puis voilà. Amusez-vous bien. Bye.